de mon papa Mbou. Si je n'avais pas écouté les conseils de ma mère Manielo, j'aurais déjà de l'argent dans des comptes en Suisse. J'aurais déjà des voitures dans mon parking. Je ferais le tour du monde dans un jet privé. Derrière tout ça, mes amis, j'aurais foutu ma vie en l'air. Ils m'ont dit doucement, Théo de Milo. Doucement, la vie c'est mon nom, mon nom. Mais doucement, vas-y doucement, la vie n'est pas un marathon. Le conseil que je peux donner à Théo Deville, simplement de continuer de persévérer. C'est un professionnel, il sait ce que c'est que la bonne musique, il sait où il va, c'est ça déjà. Il a conscience de ce qu'il attend devant, demain, il sait qu'il doit travailler parce qu'il l'a déjà fait. Il bosse énormément depuis le début de sa carrière. Le conseil que je donne à Théo Deville, continue de persévérer. Le meilleur reste à venir. Mon chéri, je suis à toi. Qu'est-ce que tu cherches sur internet que tu n'as pas à la maison? Qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux que je ne t'ai jamais donné? Si c'est les lolos, je l'ai à gogo. Les manjanja, ça aussi je l'ai. Matin, midi, soir, tout ça c'est à toi. Tout ce que tu veux qu'on te le fasse, moi je te le fais même en wifi. Internet, tu as changé le monde. À internet, Internet, tu as apporté le bonheur. Y'a le chemin. Internet, tu as aussi changé des vies. Internet, je n'ai pas. C'est tout simplement de continuer à travailler. Et bonne chance tout simplement pour sa carrière, ses victoires seront les nôtres. Et on va tout simplement essayer de l'accompagner dans sa modeste carrière. Je dirais juste que Théo Deville qui continue à travailler comme il est, qui reste tel qu'il est et qui travaille davantage. À Claude Ndam, mon père spirituel. L'hymne de tout un peuple. Umboya. Umboya, umboya, mon cœur. Umboya, umboya, mon cœur. Umboya, umboya, mon cœur. Umboya, umboya, mon cœur. Bombe tum tum dam dungwan. Ushimbe nan kungju. Donc quand on est Bamoun, on n'a pas une... C'est pas comme les masques Bamoun qu'on identifie. Quand on est Bamoun, on peut faire de la musique. On fait de la musique, on est un musicien, on est un artiste, on propose une œuvre. Et quand tu m'as fait écouter Internet, c'était au Benskin, justement, Benskin Club à Romainville, il y a quelques l'année dernière où on s'est retrouvés. Et j'étais enthousiaste, spontanément, parce que c'est ce qui manque au Camerounais, l'enthousiasme spontané, l'engagement, porter leurs musiciens, porter leurs artistes. Chaque fois qu'un Camerounais commence à parler, il multiplie les obstacles sur le chemin d'un projet. Et quand les Camerounais leur proposent des projets aboutis, comme ce que tu essayes de faire, parce que ce sont des œuvres qui sont abouties. Pourquoi? Parce que elles sont confluentes justement de ton expérience de musicien. Les frères qui sont là ont compris, tant mieux, ils peuvent le faire à tout moment, s'asseoir et dire, maintenant on va porter notre fils. Sortir tout le monde là, dès qu'on dit bonjour, un Bamoun, il dit Théo Deville. Après, le résultat va suivre. Voilà, merci. En ma qualité de chef, je crois que je vais porter Théo Deville de haut de leur force. Jusqu'au sommet. Franchement, c'est... Hormis le fait que ce soit un Bamoun, c'est d'abord un Camerounais. Et le fait d'être un Camerounais, un artiste de renom, il a une voix. Ça n'engage que moi, hein. Et je pense que c'est quelque chose quand même de connu. Une excellente voix, il aurait bien fallu qu'on parle de sa voix et s'attarder dessus, car c'est cette voix-là qu'on pouvait promouvoir aujourd'hui. L'artiste n'a plus besoin qu'on parle de lui, car il est assez connu sur le marché et il sera connu tant sur le milieu africain, camerounais,
que françaises, hein, parce que nous sommes en France, hormis les Camerounais aussi, que les Occidentaux puissent découvrir cette personne qui est d'ailleurs connue dans le monde occidental, hein, car il fait des tournées européennes, mais qu'on puisse le faire connaître en France, pays de sa résidence. Voilà. Et je lui souhaite bon vent, bien évidemment. Ce que je peux dire à Théo Deville, c'est de continuer à travailler comme il a toujours fait. On va essayer de l'aider comme on peut. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant que j'ai pu lui poser la question, je l'encourage, je le félicite, tout se passe bien. Théo, c'est un frère que je connais depuis son enfance. J'ai vu depuis le village Foumban, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il évoluait dans des soirées du des quartiers et après Douala dans les cabarets, il faisait déjà bonnes prestations. Je lui prédisais déjà un bon avenir et puis il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. On espère que ça va évoluer comme ça et les succès vont s'en suivre. On s'est suivre. Mon message, que je dois, enfin c'est même pas un message, je dois quand même encourager mon frangin Théo. Je dois lui dire de ne pas se décourager. Lui, c'est le seul musicien Bamoun qui est en Paris et qui fait du live. Parce que franchement, lui, il est tellement très fort. Mais nous comptons vraiment sur lui. Ce n'est vraiment qu'un très grand message d'encouragement. Parce que je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de s'en sortir dans notre domaine. Surtout que ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on est un peu tout seul à se battre, à écrire la musique, à écrire les textes et à composer tout, c'est pas facile. Donc on est obligé, c'est une responsabilité pour nous de l'encourager. Donc vraiment, tous mes encouragements et je serai toujours là quand il faut, quand il a besoin de moi. Donc si Théo Deville, dans ses racines Bamoun, s'il assume et que nous assumons tous, est capable de se nourrir comment dirais-je, en allant au rendez-vous du donner, du recevoir, s'il est capable de s'ouvrir aux horizons divers pour prouver et montrer quelque chose au Bamoun, ses racines d'origine, mais aussi à la communauté camerounaise, africaine et mondiale, il aura réussi son pari. Donc, les promoteurs que vous êtes, les DJ que vous êtes là pour porter non pas un Bamoun, mais un artiste. Vous allez bien?